La triste nouvelle a été annoncée ce mardi 19 septembre par sa compagne, Vanessa van der Kempen. Le chanteur et compositeur belge Lou Desprige, qui revendiquait la paternité du tube « Ça plane pour moi », est mort à 77 ans. Mon soleil. Mon chéri. Mon homme, mon tout. Je t'ai accompagné jusqu'à ton dernier souffle comme tu le voulais. Tu seras mon seul et dernier amour. Je t'aime, a écrit Vanessa van der Kempen ce 19 septembre sur Facebook, en légende d'une photo du couple qu'elle formait avec Lou Desprige. Une nouvelle qui a attristé de nombreuses personnalités du monde du spectacle en Belgique, pays dont l'interprète et compositeur était originaire. Dans les années 1970 et 1980, Francis Desprige, que de son vrai nom, avait connu le succès avec ses principaux groupes, Lou and the Hollywood Bananas et Two Man Sound. C'est à cette époque qu'il a composé, produit et chanté le tube « Ça plane pour moi », une parodie de certains morceaux punk. Un morceau pour lequel il a inventé un personnage virtuel, Plastic Bertrand. Face au succès inattendu de ce titre, il a fait appel à Roger-Marie-François Jouret pour incarner ce personnage. Ce dernier a ensuite connu une carrière notable, sous le pseudonyme de Plastic Bertrand. Une longue saga judiciaire autour de « Ça plane pour moi » par la suite, une très longue bataille judiciaire a éclaté entre les deux hommes concernant la paternité de ce tube. Plastic Bertrand lui-même avait avoué qu'il n'était pas l'interprète de « Ça plane pour moi », avant de démentir ses propres aveux, puis de changer à nouveau de version. En 2010, un rapport d'experts avait cependant conclu que Lou Desprige, qui était bien l'interprète original de cette chanson, reprise par de nombreux groupes de rock, comme Sonic Youth et les Red Hot Chili Peppers. Outre Plastic Bertrand, Lou Desprige avait produit d'autres artistes comme la chanteuse Victor Lazzolo, Muriel Dac, Jeff Bodard ou encore Jean-Luc Ponc. De nombreux artistes belges lui ont rendu hommage en apprenant sa disparition.